Bon alors, il faut que je trouve la soluce. Mais du coup, c'est con. Alors, j'ai une seringue, j'ai mon téléphone. Est-ce que mon téléphone, j'ai pas de message. Quatrième étage. Je veux bien, mais du coup, je pense qu'il faut que je retourne aux deux. Et j'ai oublié un truc. Forcément, j'ai oublié un truc là. Mais j'ai rien vu. Ouais, si j'ai débloqué un espèce de raccourci. C'est trop bizarre. Alors, je regarde bien les fenêtres. Faire gaffe parce que tu peux activer les portes et sortir de des trucs. Tu vois, regarde. J'ai voulu cliquer sur l'armoire, je suis sorti. Ah, c'était le gros problème qu'avait Half-Life à ce moment-là, c'est que tu pouvais activer les portes à travers les murs. Et la télé. Frigo, il y a rien. Si vous voyez un truc, n'hésitez pas, hein, signalez-moi, parce que pour l'instant, moi, j'ai rien vu de. On peut pas passer par là. Ah, c'est peut-être au niveau du lit. Je suis allé un peu vite ici. Peut-être. Parce que le mec, il est sorti d'en dessous. On peut passer par la fenêtre. Oui, j'ai déjà utilisé la clé, oui, sur la porte. Elle n'est plus dans mon inventaire. J'ai utilisé la clé justement sur cette porte-là en face, qui m'a permis de déverrouiller l'espèce de raccourci. Là. Il n'y a rien. Dans le lavabo, il n'y a rien. La porte, elle s'ouvre pas. Et ici... Et là, si je clique là, je sors. Donc, ici, c'est loqué. Ici, c'est loqué. Et ici, ouais. Ouais, ça m'a donné la clé, mais du coup, ça me... Head and shoulders. Télé, c'est bon. Et ici, donc il y avait tout ça, ces piles de papier. Je suis peut-être pas resté assez longtemps, j'ai peut-être pas trouvé ce qu'il fallait. Collection 2, taste pad, rotate too quick, maybe axe or just knife. 9 avril. Ah bah j'ai une autre seringue. Bah elle est où? C'est trop bizarre. Parce que j'ai peut-être pas pris. Je vois pas parce que ça m'a donné la clé pour ouvrir donc cette porte en face. La clé elle est passée à travers. Dans les objets, j'ai rien. J'ai mes armes. J'ai une seringue de morphine. Donc je devais en avoir deux. Il fallait peut-être pas les prendre. Et donc je suis arrivé ici. Ça m'a ouvert cette porte-là. Donc je regarde un peu partout si j'oublie rien. À moins qu'il faille revenir là-haut. Ben non, je suis revenu tout à l'heure. Donc là, il y a les zombies. Ils sont sortis. Ils ont fait Je suis un zombie. Et voilà. Je regarde un peu. Je fais le tour. Ah, j'aime pas être bloqué comme ça avec à cause d'un manque d'éléments de. Donc là, c'est la porte qui mène dehors.
Là, ça a repété le mur. Ah merde. Il y a sûrement un truc ici, mais là il y a le tableau qui est bizarre. Là il y a des notes. Là il y en a une ici, mais on voit pas bien. Mais les objets sont en surbrillance normalement. Ou alors faut que je pousse une armoire. Sincèrement, on dirait qu'elle est décollée du mur parce que celle-là elle est collée. Et si on regarde bien, celle-là elle est légèrement décollée. Donc il y a peut-être un truc à faire avec ça. Parce que là, la porte elle est fermée. Ça se trouve il y a un bouton ou une connerie comme ça. Ah putain! Ah putain! Ah, fallait le voir! C'est comme j'ai la tête droite. Il a une arme, je ferais mieux de la prendre. Et j'ai la clé du hall. Et maintenant j'ai un flingue. Maintenant. Viseur, plus de précision. Mais vos mouvements seront plus limités. Donc là, je peux mettre un coup de matraque. Comment ça, viseur? Comment ça, viseur? Du coup, j'ai la clé du hall. Attendez, 2 secondes, vite fait, dans les options, keyboard, primary attack, secondary attack. Ah d'accord, ok. Waouh, putain, je me suis fait direct asmater quoi. Et le flingue, on va le mettre en 3. Ah mince, 32 boutons. Ouais, le kill quoi. Je recharge. Ok, toutes les munitions. Peut-être que je garde un peu de mun. Ça bouge pas et ici ça monte. Journal intime 3. Maintenant, alors que j'ai besoin de tuer quelques enfants, je bloque l'ascenseur dans le hall pour que seul le personnel y ait accès par un code secret. Je pense que nul enfant ne devinera. Donc, ils auront juste à prendre les escaliers. D'accord. Et toi, tu fais comme le gosse. Ouais, c'est un Trainspotting. C'est le jeu Trainspotting, quoi. Alors ça continue à monter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre d'abord. Parce que je sais pas pourquoi, mais je vais descendre. Ça bouge pas. Ici c'est fermé. Je vais juste voir un peu en bas. Je prends mon temps. À la sortie quoi. Ouh, des munitions. Faut les voir, hein. Faut pas aller trop vite, hein. Ouais, j'irai tuer le bébé, ouais. C'est efficace le flingue, hein. Purée. Pourriture communiste. Oh.
Je vais pas aller là de suite. Je vais pas aller là de suite. Ça se trouve, c'est là où je dois aller, mais je vais faire le tour d'abord. Des zones. Enfant du démon. Enfant du démon. J'ai déverrouillé le verrou et donc j'arrive. J'arrive là. D'accord, ok. Ta grand-mère en slip, je t'ai buté, hein. Tu fais moi le malin maintenant, hein. Et c'est là où tu te baisses. C'est des enfants. C'est glauque, hein. Moi aussi, je trouve. Voilà, des munitions. Cool. Donc là, on est arrivé tout en haut. Ici, c'est bloqué. Ici, c'est bloqué. Et ici, c'est bloqué. Et ici, c'est bloqué. Et ici. Et ici, c'est un... Merde, je me trompe de bouton. Ok. Du coup, j'ai pas trop le choix. Ici, j'ai déverrouillé la porte. Ben, le papier, je l'ai lu tout à l'heure, le papier. Et donc là, je reviens dans les salles où j'étais avant. Ok, c'est là où ça me permet de passer d'un appartement à l'autre. Le papier, je l'ai déjà lu, celui-là. C'était un des papiers du début. Je viens de déverrouiller, c'est le journal intime numéro 1. Et celui que j'ai vu en haut, c'était le journal intime numéro 3. Donc là, je suis dans le hall 3. Ok. Donc, bah, du coup, en fait... Ici c'est verrouillé, du coup il faut descendre, il faut bien descendre. Et du coup on avait déverrouillé ce hall, on avait fouillé ici, et tout en bas, on a tué l'enfant du démon. Donc il faut bien passer par le hall qui fait peur. Donc ça va, les ennemis sont pas trop difficiles à appréhender. Ah mince, non, c'est pas celui-là. Encore celui d'en bas. Voilà. Ça suffit l'horreur maintenant. On arrête. Il y a un mec qui pleure. Il a sûrement très mal. Je pense que c'est ça. Voilà. Putain. Ça vous plaît? Je suis pas... je hurle pas. Radio qui s'allume au moment où tu rentres, tu sais. J'ai un costume. Ah bah, une petite sauvegarde. Du coup, mais en fait le problème c'est que si je la prends, j'ai l'impression que j'en ai, ça disparaît. J'ai l'impression qu'elle disparaît.
petite sauvegarde, c'était bien. Donc là on peut pas ouvrir, donc en fait non, c'était juste une zone pour récupérer des munitions. Ça va, il leur faut 3 balles pour les exploser. Donc c'est là d'où je viens. L'ascenseur fonctionne. Ah, je suis au 4e étage du coup. Ah mince, je peux pas l'ouvrir. J'ai peut-être loupé quelque chose. Mon journal intime 4. Celui-là fut bon, excellent à tuer. Facile à couper au couteau comme couper de la nourriture. Tu sais que tu es un grand malade, monsieur. Là, c'est fermé. Là-dedans. Ici. Bon bah allons-y. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un suicide? Qui essaye de rentrer. Vous avez les clés du sous-sol. Il s'est suicidé et en plus il a pris des pilules. Oh bah, une autre sauvegarde, tiens. Après, il y a beaucoup de jeux qui sont inspirés de Silent Hill. Hein. Faut pas non plus, faut pas non plus jeter la pierre parce que. Ah oui, effectivement, c'est aussi flippant que Silent Hill. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'était un boss. Ben, je crois. J'ai une corde. Et la corde comme ça. Enough rope to climb down the balcony. You have placed the rope. Ouais. Ah purée, Micheline. Ouah, je me suis tellement. Mais encore ça va, je sursaute, mais ça va, c'est pas si pire. Je pensais que ça aurait été pire. Vous avez de la chance, je hurle pas. Je ne suis pas Fanta, ni Seros. Ah, des munitions. Je me sens tellement en sûreté. Avec des munitions. Mais non, mais c'est fou, en fait, le flingue, ça fait tout, quoi. Puis le fait de bouger rapidement, en fait... Regarde-moi ça. Oh putain, il y a eu un gros bug dégueulasse. Ouf.
Regarde-moi ça, elle était foutue ici, cette salope. Pardon. Heureusement qu'il redonne des munitions juste derrière parce que. Putain, c'est. Putain, va vite, hein! Oh! Il y a une grille maintenant. What the? They weren't here before. Oh sa mère. Ah sa mère, ça va être horrible. Puis en plus, ils sont vachement rapides. Je vais tomber sur tout. Il va y avoir que ça, tu vois. Est-ce que c'était aussi sombre la dernière fois? Est-ce que ça vaut le coup de faire une sauvegarde? Je dis oui. Je dis oui. Oui, oui, oui. Bah écoutez, pour l'instant, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. J'aime beaucoup. Putain, mais stop! Ah, mais il y a que ça maintenant. Putain, mais il y a que ça au... Waouh. Bah filez-moi des munitions maintenant. Putain, j'ai plus de munitions, ouais. Je suppose, je suppute que je dois passer par là. Là, tu vas voir qu'il y en a une qui va me sauter à la gorge. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas déverrouillé en plus. J'aurais dû déverrouiller le hall. Et j'ai la basement key. Donc j'aille au basement. Et ben, on va descendre au basement. Par contre, on va utiliser une seringue parce que là, non, ça va, ça garde les seringues. Ça va. Ouais, j'ai déjà utilisé la corde. Billy. J'ai eu peur, je me suis fait peur. Je me suis fait peur tout seul. Bon là, vraiment, ils ont fait Silent Hill. Ah, ils ont fait un petit mode de Silent Hill. C'est un joli hommage, en tout cas. Enfin, moi, je trouve très très beau ce jeu. Enfin, très bien. Très prenant. Mais par contre, je flippe... Pas que je flippe ma race, mais... Quand même un peu. J'aurais pu foutre des trucs. Bienvenue à Silent Hill. Putain, y'a personne. Y'a quelqu'un qui prend un bain.
Ouais, le let's play Silent Hill, ouais. Moi aussi. Putain, heureusement que... Par contre, j'ai plus de munitions, hein. Ah, il va y avoir des... Il y en a encore plein là-dedans. En fait, je reviens dans les anciennes pièces, mais... ça, c'est le journal intime 2, donc j'ai pas besoin de le lire. Le U, ça me permet de me déstresser, hein. Au moins c'est ouvert ici. Par contre, j'ai les munitions, je peux aller me faire voir. Ah si, il y avait un truc de munitions. Oui, il y a quelqu'un qui m'appelle de derrière. Je crois que les munitions juste là, il y en a juste là. Ouais. Alors Billy, tu fais pas le malin Billy. On a des armes maintenant, Billy. Alors par contre sur la prochaine qui va m'attaquer, j'ai intérêt à lui mettre des bastos. Ah oui, mais le 4 je pouvais pas le déverrouiller, c'est pour ça. Allez, la clé du basement. Moi j'adore les jeux d'horreur. De toute façon il va y avoir du Silent. Oh la rapidité du truc. Wow. Après ouais c'est... Il y a de l'eau là. Mais partout. Oh je suis bloqué. J'étais bloqué contre le truc. Hop, on va utiliser une seringue. Parce que là, on commence à être vraiment limite. Il me reste 3 balles que je pourrais placer. Parce que c'est là que je dois aller. Ah bah il y a une sauvegarde. Ça veut dire que... Oula. 7 mai, 2, 2, 1, 37, 2, 6, 2, 12. Voilà. Attendez 2 secondes. Je regarde juste un truc. Ouais, c'est bon, je suis toujours en enregistrement local. Nickel. C'est fermé de l'autre côté.
Voilà. Putain, je vois rien du tout. Ne peut plus rien nous arriver d'affreux. Il reste pas mal. Espèce de blast. Donc je suis obligé de passer par là. Bon, eh ben on avance. Tranquillement mais sûrement. On se fait bien flipper en tout cas. Je pensais avoir plus peur que ça, mais ça va. Ça va, vu qu'on est assez réactif. Pour le coup, je peux rien reprocher au gameplay. Donc là, on l'a fait, mais il n'y a pas de munitions. Donc là, on vient de là. Et là, on ne peut pas monter. Basement key, je suppose que ça doit être en bas. Oui, je suis con. Ok, donc on prend le flingue et on est prêt à réutiliser tout de suite. Bah non, on garde le flingue. Parce que c'est le flingue, c'est la vie. Bon, c'est parti. Pas tuer. Oh, je suis bloqué. Oh, aïe. Oh, oh, oh. Je veux pas jouer à ça. Non. Oh, il y a un putain, il y a un spectre. Oh, il y en a un autre ici. Comment? Mais comment tu fais pour esquiver? Comment? Il y a que ça partout. Oh, oh putain, non. Et en plus, tu peux pas les tuer, quoi. Oh, j'aime pas ça, moi. Ouais, je sais pas pourquoi ça sent le boss. Je gote la vidéotape. Il y a des cordes partout. Ouh, que c'est malsain. Oh purée, oui, moi aussi ça me fout les glandes. En fait, quand t'es impuissant, en fait, c'est chaud. Parce que là, depuis le début, je peux les défoncer. Mais ça, par contre. Oh là là. Putain. 4 balles dans ta bouche. Donc là j'arrive d'ici. Ici j'ai déverrouillé le verrou. Ici on allume et on fouille. The door won't budge. Et the door won't budge. Ok. J'ai déverrouillé le verrou. Voilà, je suis content parce que j'ai des mines. Sextape ou snuff movie, je sais pas trop. J'ai besoin d'un vidéo player tout si hit. Par contre, je sais pas où il est le vidéo. Du coup, on revient ici. Ah, c'était juste pour aller récupérer la cassette. Trouver un lecteur de vidéo. Attends, 221, 251. Fouf. Fouf.
Ça c'est du stress. Ça c'est du stress. Là, on va jouer encore un petit peu. Je suis pas sûr que le jeu soit très long. Alors j'ai vu un vidéotape mais je sais plus où. Est-ce que ce serait par là? Tu vas voir qu'il va y avoir des suicidés de partout. Maintenant. C'était pas là. Je ne sais plus où c'était. J'ai cru qu'il y avait un truc qui marchait dans l'eau. Ouais. Faut arrêter maintenant. Ouais, moi aussi, je sens que ça. Je sais plus où c'est. Alors, on va passer par là. Ah, bah, de toute façon, vu que j'ai buté tout le monde maintenant, je suis tranquille. Je suis revenu sur mes pas pour chercher un truc. Il me semble que c'était là, la vidéotape. Hello? Ou pas? Pas sûr. Hop, on va passer par là. Stressant. Mais bon, vu que j'ai tout défoncé, on est plutôt bien. On va remonter tranquillement les étages. Sauvegarde, mais c'est pas ça. Et là, on va passer par là, donc du coup, faut se rééquiper du flingue parce que voilà, ici il n'y a rien du tout, et ici c'est fermé. Serait-ce là? J'aurais dû procéder méthodiquement. Ah bah non, je suis revenu ici. Je suis con. Du coup, non. Et par là, il y a celle-là. Il y avait une plante verte. Ah bah voilà. Cassette pourtant. Alors ça par contre c'est un peu con. J'avais l'électeur cassette. Ah mince, je peux pas redescendre. Mais pourtant c'est si. Merde alors. Bah ouais, c'est un DVD alors. Du coup, ça doit pas être ça. Ouais, il me faut un magnétoscope. Ouais. Ici, il y avait quoi? Je sais plus si on avait vu un magnétoscope quelque part. Ok, bon.
On va procéder par élimination. On vient du basement. On va monter au troisième. On peut pas. Au quatrième. On peut pas. Et là-haut, on va se faire voir. Voilà. Ok, donc il faut refaire le tour. On va passer par le 2. Je sais plus si on peut traverser le 2. Jusqu'au bout. Passer par là. Il y en a un à Silent Hill de magnétoscope. Là, il n'y a pas. Ce que j'aime bien, c'est la musique bien stressante. Et du coup, vu que j'ai tout fait, la musique là, elle sert pas à grand chose. Donc là, bon, on va faire tous les étages. Hein. Là on est au troisième. Ah. Bon, c'est un écran d'ordinateur. Et là il y a marqué Do Not Enter. Voilà. Donc là le troisième, on va se faire foutre. Et il faut descendre partir du quatrième. C'est 4. Ouais. Et là on peut pas passer le quatrième. Ok. Je suis en train de tourner en rond là. Je suis en train de tourner en rond. Mais j'aime pas tourner en rond. Donc là on est au 2. Bon, allez, on recommence. On se la refait moins crispé. Ici, ça, il n'y a rien. Donc là, on est là, ici. On a ouvert. Il n'y a pas de magnétoscope. On revient. On passe par là. Il n'y a pas de magnétoscope. L'ascenseur. On ne peut pas le prendre. Donc on arrive dans la cage d'escalier ici. Là, il y a le basement. Là on remonte, là c'est fermé, donc on peut pas passer par là. Et là il y a le basement, mais on n'y retourne pas parce qu'il y a des suicidés et on peut pas les tuer. Donc il faut retour traverser. Ah ouais, il faut que je descende par la corde. Et alors je me rappelle plus comment on... Donc là on peut pas. Enfin si on peut. Donc là il y a un papier, la pièce est ouverte, elle m'a sauté dessus et là il y a un magnétoscope. Enfin. Il y a un mec. Et c'est moi sur le siège. C'est un nazi. Et il veut que les gens se suicident. Ah ouais! Sept, sept, neuf. Il va y avoir un screamer, tu vas voir. Escape the apartment with the elevator. Bah ouais, mais moi j'aimerais bien d'abord sauvegarder avant de escape. D'ailleurs, une sauvegarde, il y en a une pas ici. Et on peut passer. D'ailleurs, il n'y en a pas une un peu plus loin là, déjà une sauvegarde, je sais pas. Non. Non. C'est pas à cet étage. C'est devenu tout de suite très sombre.
moi j'aime, je veux juste sauvegarder d'abord. Comme ça, du coup, si je sauvegarde, là il y a une sauvegarde là-haut. Comme ça, si je sauvegarde, je vais pouvoir dire aux gens sur YouTube que c'est la fin de l'épisode. Eh ouais, c'est déjà la fin de l'épisode pour vous. Et je vous dis à bientôt.